Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Men of War Assault Squad 2. C'est un jeu de stratégie durant la Seconde Guerre mondiale. Cela faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous présenter des parties en multijoueur sur ce jeu. Je n'avais jamais vraiment eu le courage, pour être honnête, de le faire, car à chaque fois que j'avais pu jouer en multijoueur, je m'étais fait massacrer. Mais aujourd'hui, je suis vraiment motivé à fond. Donc, je vais vous présenter un gameplay contre un joueur qui avait une trentaine de parties en multijoueur, tandis que moi j'en ai peut-être 4 ou 5, donc je suis vraiment très peu expérimenté, mais j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, notamment de Prince of Macedon. Du coup, j'espère que cela va m'aider à m'en sortir sur le multijoueur. En tout cas, ça me donne déjà pas mal de bons petits conseils. Je joue durant ce gameplay avec les Russes, l'Union soviétique, bien évidemment. Et mon adversaire Zipro va jouer lui avec les Allemands. J'espère que vous allez apprécier ce gameplay et n'hésitez pas à me dire si vous voulez en revoir sur ma chaîne à l'avenir. Allez, à tout de suite pour la partie. Ok, allons-y, je vais préparer ma section d'assaut pour aller au centre. Et ensuite, je vais commencer à envoyer des soldats sur le flanc droit afin de sécuriser le point sur lequel je ne pense pas avoir de menace. Ok. Le point est ici, bien plus près que prévu, ma foi. Voilà, je mets des gars un peu partout par ici. Très bien, et là je vais commencer à mettre mes soldats sur des positions, je l'espère, pas trop suicidaires. Ok, c'est bon, le tir au pigeon commence. Ok, lui là-haut, très bien. Lui va pouvoir avancer, on est en train de capturer, j'en ai tué un sacré paquet, ma foi. Une excellente chose. Pour l'instant, je les empêche de capturer. Si je pouvais éventuellement réussir à avancer ce soldat jusque là, et leur lancer une petite grenade. Alors là, s'il a cru à une telle grenade, je sais pas ce qu'il y pensait, mais. Boum! Allez! Ça c'est fait, c'est nettoyé. Le point de ce côté-là est en train d'être capturé. Je vais commencer maintenant à économiser, peut-être répartir mes soldats un peu partout parce que là la position n'est pas forcément plus sécurisée. Voilà. Et toi là, toi. N'hésite pas à prendre ton arme. Tu verras, ça peut servir. Wow, des MG42. Ok. Bon, ils veulent se la jouer comme ça. Je pense que je vais envoyer un petit véhicule blindé sur le flanc afin de nettoyer cette position ennemie qui m'a l'air légèrement. Ok, les mecs, on prend pas trop de risques. On prend pas trop de risques. Ce que je vais faire, c'est peut-être mettre une smoke. Voilà, pour l'empêcher de tirer. Mais la smoke, mais tu n'es pas en plein milieu. Non, ça, c'est pas la smoke. C'était pas la smoke du tout, hein. Je veux pas te décevoir, cher ami, mais. Si je pouvais avoir peut-être un T-70 ou quelque chose comme ça serait pas mal. Parce que là, écoutez, non. Je suis pas forcément menacé pour le moment. Je vais attendre d'avoir un char. Encore 144 points. Si jamais il attaque. Ah, il attaque. Oh, le bougre, il attaque. Bon, écoutez, je vais préparer ce véhicule-là. Il a décidé de venir m'attaquer à coups de multiples assauts. Ok, j'y vais. A voir ce qu'il pense. Ouf, c'était une belle grenade. C'est une très belle grenade. Attention, j'essaie d'y échapper. Très bien, très bien. À la cheuse, s'il te plaît. À la cheux. Voilà, très bien. Commencez maintenant à me débarrasser de ces mecs. Wow. Yes. Ok, je vois un véhicule là-bas. Un Lux. Un Lux. On va essayer de reculer. Préparer quelques petits soldats ici et là. Éventuellement le soldat anti-char. L'équipe anti-char, si je peux me permettre de l'avoir. Boum! Sur le Lux. Attendez, je vais essayer de le tuer définitivement.
peux pas le tuer définitivement. Vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là. On tire à la cheu pour essayer de tuer. Voilà, son équipage. Très bien. Ok. Bon. On est positionné. Je vais remettre lui par là. Je ravance ma position de ce côté. Waouh! Tu es un homme. Attendez, je vais placer un mec par là pour protéger. Attention, attention! Non, mais il a écrasé mon soldat! Il dit pas que c'était soldat en t-shirt. Et si, bien sûr. Est-ce que je vais réussir à. Et son. Ah, son cadavre est bloqué! T'es sérieux? Oh. Son cadavre est bloqué par le décor. Du coup, j'ai perdu mon bazooka. Génial. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais économiser pour. Ok, ils ont un sniper, je pense, quelque part. Qui est planqué par là. J'entends des bruits de pas. Je sais pas si vous les entendez aussi. Par là plutôt. Ok, j'entends un véhicule, c'est quoi? Oh, c'est un Panzer IV cette fois-ci. Ouch. Ça va être moins drôle. Ça va être beaucoup moins drôle. Je vais essayer de planquer mon auto-mitrailleuse le plus loin possible. Parce que je pense pas qu'elle puisse faire le poids face à un Panzer IV. Ok, alors il a quoi lui? On peut jamais savoir si c'est des Panzers, enfin des côtés de Molotov ou quoi. Ok. Cours jusque là. Cours jusque là. Alors, il y a personne derrière. Allez, balance-moi cette grenade. Balance-moi cette grenade, oui, oui, oui. Boum. Yes. 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 Excellent. Je vais économiser pour avoir le deuxième T-34. Pendant ça, j'ai ma petite voiturette. Qui est là? Ah, elle a été endommagée. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Ok, j'ai le deuxième T-34. Impeccable. On va le faire venir vers le centre. Afin de couvrir les points au maximum. Et dès qu'on aura réparé notre petite Jeep. Sachant que son looks, je peux le réparer. Alors peut-être que je pourrais envoyer un équipage de chars. Réparer le looks. Ça peut être osé, hein. C'est vrai, mais écoutez, ça peut être pas mal. C'est bon, on a réparé ici, on y est presque, on y est presque. Bien. Très bien. Véhicule réparé. Oh oui. Je vois personne sur son véhicule. Si je peux récupérer le look, ça serait génial. C'est bon, on a réparé par là. Très bien. Très bien, très bien. J'aimerais bien peut-être envoyer des hommes pour les capturer le troisième point. Mais j'ai peur de faire un péché de gourmandise, pardon. Où est mon T-34? Ah, il est là. Parfait, je vais le mettre comme ça. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Je pense qu'il est en train d'économiser des crédits afin de se préparer pour la suite des événements. Alors, on a intérêt à être prudent. Je garde mon char bien en retrait. Est-ce que j'ai une vue correcte par là? Oui, on dirait. J'entends un autre char. J'entends un autre char. Toi, tu vas peut-être aller te mettre là-haut. Ah, c'est un Goliath! C'est un Goliath! Vite, vite, vite! Boum! Ouh! Bien essayé le Goliath, bien essayé. Ok, on continue à réparer de ce côté-là. Fort bien. Ouch! On a actuellement une attaque, on dirait, sur notre point. Écoutez, vous savez ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé ma petite Jeep. Allez m'occuper de cette situation. Ah oui, effectivement, il y a un soldat qui est juste. Nickel! Nickel.
J'envoyais un second soldat peut-être couvrir. Je vais se mettre juste comme ça pour couvrir les arrières. Si jamais ça vient, eh bien on le saura. Nous saurons bien assez tôt. Ok, pour l'instant ça se passe pas si mal. C'est ma toute première partie en 1 contre 1, donc je suis assez content. Par contre, le temps de réparation est assez. Ok, le voilà. Bon, est-ce que je vais réussir à l'avoir une seconde fois avec la même technique? C'est pas sûr. Ça marche peut-être une fois, est-ce que ça marche deux? Je ne sais pas. Ah, il va peut-être essayer de me détruire mon. Oh! Non! En un seul tir! Oh, mais sérieusement! Oh, les mecs, c'est pas cool ça! Il a eu ma Jeep, non? Non. Alors, ça, c'est vraiment pas cool. Lance-moi une grenade, toi. Allez, allez, oui, boum! Magnifique grenade. Magnifique grenade. Qui c'est qui capte le point là? C'est nous, hein. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez. J'ai monté 34, je vais le tenir à l'écart cette fois-ci. Et on a réparé le Lux. Yes, yes, yes. On a pris le Lux. Bon. Le Lux, je vais le mettre à l'abri. J'ai pas envie de cramer ma botte secrète dans cette bataille. Pour l'instant, tant qu'il mette son char à l'écart, ça me va bien. Ok, bien joué Lux, bien joué. Bien joué, pour l'instant je prends pas plus de risques que ça. Je sais qu'il m'attend de ce côté-là. L'idéal serait de placer un canon ou une artillerie, quelque chose comme ça, mais j'ai pas vraiment envie de me risquer à ce genre de manipulation. Je vais continuer de renforcer le centre qui m'a l'air plus si bien protégé que cela. Mettre une équipe anti-char de ce côté. Fuck, 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 ils sont en train de prendre ça en masse. Je vais essayer de me défendre. Si je perds le Lux, de toute manière, c'est le Lux, on me dirait, il est pas à moi. Ok. Mon brave petit Lux. Impeccable. Impeccable, mon cher Lux. Est-ce que j'ai un soldat qui peut éventuellement le détruire? Oui, yes! Bien joué! Bien joué! Impeccable! Oh, allez, on fonce, on fonce, on fonce. Je veux une escouade qui tout de suite va s'occuper du point. Je veux des hommes répartis dans tous les bâtiments. De tous les côtés. Ok, je recule ça. Il faut que je capte le point. Il faut que je capte le point. Est-ce que éventuellement nous avons un ennemi qui est par là en train de traîner qui m'empêcherait de capturer? Ouch. Je me dis détruite. What? Non, t'es sérieux là? Non, il m'a encore détruit mon char. Et il m'a détruit le deuxième. Non mais fuck. T'es sérieux? T'es sérieux là? On a des gros problèmes ici les gars. Faut tout de suite que je renvoie des renforts sur ce point. Ok, on l'a sécurisé. Ici, il y a encore un ennemi quelque part.
Effectivement. Voilà. Ok, alors au niveau du char ennemi, comment dire qu'on en a quelques soucis avec ça. On a quelques soucis avec ça. Il faut éventuellement que j'arrive à faire passer des mecs sur le flanc. Un mec en solo sur le flanc. Allez, 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 allez. Non, recule, 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 Majip, recule. Waouh. Le combat est plus complexe que prévu. Le combat est plus complexe que prévu. Est-ce que je peux sortir un char? Oui, je peux sortir un char. La question, c'est que je peux sortir un char qui va réussir à tuer. Continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Il essaie de m'avoir. Il essaie de m'avoir. Je suis sécurisé à droite, je suis en train de sécuriser le middle. Il veut pas provoquer le combat. Comme je le comprends. Écoute, toi, peut-être que tu peux aller capturer par ici. Ça me sert plus à rien de toute manière, alors. Putain, être inutile. Non, 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 putain, il va montrer son flanc. Il va montrer son flanc. Comment je peux réussir à le battre? Écoutez, c'est peut-être ma meilleure solution, donc... Lâche. Oui. Yes. Est-ce que j'ai réparé ce maudit char ici? Non, absolument pas. On recule, ça sert à rien de provoquer le combat. On est pas mal du tout. Pour l'instant, ça s'enchaîne assez positivement. Peut-être que je devrais mettre des mecs, genre par là. Si jamais il veut reprendre le point, bah, qu'il vienne le reprendre. Avec le prix du sang. Ah bah j'avais raison. Je faisais bien de faire ce genre de... d'estimation, effectivement. Ok, alors là, apparemment, ils sont en train de chercher la mouise. Après, les mecs, il faut tirer à l'HE. Et qu'il faut pas tirer sur les alliés. Préférence. Fichtre. Ok, là j'ai vraiment besoin d'envoyer des renforts au milieu. C'est assez urgent. Je n'ai endommagé, très bien. Non, il m'a baissé mon équipage. On recharge. Vite. Est-ce que j'ai un mec qui a une grenade ici, là, anti-char? Oui. Fonce. Lance cette grenade, oui. Canon principal endommagé. Une deuxième grenade éventuellement. Ah, ils l'ont eu, il a capturé le middle. C'est toujours pas réparé ici là. C'est quoi le problème avec ce char? Quasiment aucun problème avec ce char, il est prêt au combat. Un T-34-57 éventuellement, ça serait peut-être meilleur. Vous deux, retournez là-dedans. Si, attendez. C'était quoi ça? Lui, il a plus de grenade? Lui, il n'en a plus non plus. Waouh! Sérieusement, vite! Allez, lâche-eux! À l'HE. Oui, on tire à l'HE encore. Ok, il m'a pris le middle et ça m'ennuie.
vraiment que je détruis ce char et que je m'assure à nouveau du contrôle du point central. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Non, 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 j'ai pas... Ah, j'ai pas surveillé. Où est-ce qu'elle est, ma Jeep? Réparez-moi ce maudit char. Ah, il est réparé. Oui. Excellent. Ah, il essaie de prendre la droite, il essaie de prendre la droite. Ils n'auront pas ma liberté de me battre. Ils ont pris le point ici. Écoutez là, je vais essayer de nettoyer ce point ici. Encore un par là quelque part. Effectivement, il n'y en avait pas qu'un. Non, coque détruite. Oh, punaise, non. Non, 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 non. Cours, cours. Cours. Ok. Quoi là-dedans, toi? Ok, j'ai un char, T-34. Oh, mon T-34 a battu leur T-34. Yes! Meilleur jour de ma vie. Bon, on peut pas réparer ce char-là? On a vu, on peut le réparer, quand même. Je vais demander à un soldat s'il peut le réparer. Oh oui, il peut réparer. Oh là 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 là, c'est une véritable boucherie. Véritable boucherie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Il faut que j'envoie plus d'hommes pour aller couvrir ce point. Et je vais économiser pour faire un char de meilleure qualité. Oh, punaise. Oh, punaise. Non! T'es sérieux là? Non. Écoute, bien joué mon pote, parce que là, c'était très très malin cette histoire. C'était très malin, je vais devoir mettre du coup une mitrailleuse probablement et un soldat pour couvrir de ce côté. Au cas où il tente à tout moment de me contre-attaquer. Ah oui, il a pris l'église maintenant. Génial. Ah, peut-être avec mon équipe, un équipage de charge, je vais peut-être aller récupérer ça. Je rêve où je vois des ennemis en train de... Ah oui, effectivement. Pas qu'un peu. Il y a des ennemis actuellement en train de capturer par-ci. N'hésitez pas à utiliser vos grenades, les mecs. Yes. C'est bon. On les a un peu calmés. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. Mais il faut que je vois si j'arrive à récupérer son char. Ah bah ils sont déjà là. Parfait. Récupérez-moi ça. Ça pourrait s'avérer utile. Ok, là on est positionné. Ah mais j'avais un mec ici qui a pas couvert du tout lorsque les ennemis sont arrivés. D'accord. C'est original. Alors je vais mettre plutôt... Par là, écoutez, ça l'occupera. J'ai l'impression aussi qu'il y a un sniper qui me tire dessus. Moi, malheureusement, je ne peux pas utiliser de sniper. J'ai 82 points actuellement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Contre un joueur qui avait fait 40 parties auparavant, donc je suis assez satisfait. Alors, où est-ce que j'ai un char? Lui, il se répare. Lui, il... Ah bah lui, il va bien. Écoutez, probablement mon meilleur atout, ce char. Alors, je vais mettre un peu à l'écart. J'ai pas envie de le sacrifier pour rien. J'ai plus que 15 points à gagner et j'ai remporté cette bataille. Ah, c'est intense, c'est vraiment intense.
C'est long, c'est dur, mon adversaire a toujours essayé de reprendre les points. Oh, belle grenade. Alors, comment il a lancé une grenade comme ça? Nous avons le roi du feu. Oh, très bien joué. Ok, de ce côté-là, ils ont essayé de passer, je crois. Sauf que comme je couvre avec une MG, une DP28, très très beau spot pour viser sur les ennemis. 87. Ok. Je pense que mon adversaire n'a plus vraiment de points à sortir en fait. Ah si, regardez. Vous entendez le bruit de ce char? Entendez-vous le bruit de ce char? Est-ce que j'ai des grenades dans le t-char, ce soldat? Non. Allez, puis ici. Toi, tu vas aller te mettre par là, si jamais je peux faire. Alors, il va où le char? Ah, c'est un Stug! Waouh! Alors, attendez. Parce que lui, il est possible que je lui fasse goûter. Quelques-uns de mes meilleurs remèdes. Bon, ok. Il a percé ma coque. Il a un Stug juste devant mon spawn. Peut paraître. Viens par là. Viens par là. Viens par là. Viens par là. Mais putain, mais il est con. Qu'il est con. Qu'il est con. Allez, 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 pète-le, pète-le. Non. Non, il a eu mes deux chars. Fuck. Écoute, cours, cours. Cours, ça c'est pas sympa. Ça c'est pas sympa. Lance-le, lance-le, non! Non, non, non! Un KV, oui, mais un KV c'est pas assez fort pour tuer un. Écoutez, je prends un SU-85. Boum! Yes! Ouah, punaise! Attendez là, ça va pas être cool ça. Il va être temps d'appeler la charge. Non, je sais pas ce que je viens d'appeler au juste. Je me suis gouré de boutons, bien sûr. Ça va de soi. J'ai appelé je ne sais quoi. Je sais pas ce que je viens d'appeler. Ah, la charge, c'est bon. Yes. Zara Dinou. Zastalina. Yes. Regardez-moi ça. La charge soviétique dans toute sa splendeur. Bah allez, on continue. On s'arrête pas en si bon chemin. On fonce, il ne reste plus que deux points. Oh mince, je ne possède plus ce point là. Je suis en train de reprendre des mains des ennemis. Ok, là on va peut-être essayer de se répartir un peu hein. Parce que comment dire qu'on est un peu dans la mouise. Allez, allez, allez! D'où sa capture? Oh là là, il est en train de capturer tous mes points là, j'aime pas ça! Attendez. Dites pas qu'il voit pas. Oh mon dieu. Je sais pas ce que c'est ça. Ils vont adorer. Oh mon dieu, non, 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 non! Oups! Ici, il faudrait peut-être qu'on... Ah, on a perdu le point. Mince. Faut qu'on capture le middle. Qu'est-ce qui tire dessus, là? Il est où? Ah, il me reste plus que deux points à avoir. Allongez-vous. Allongez-vous, deux points et c'est bon, j'ai sécurisé l'endroit. Ok, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ok, on prend le middle, on prend le middle, c'est bon, 99. La victoire est à nous dans un instant. Magnifique bataille. Oh, très bien. La garde, la charge de la garde, magnifique. C'est une
Victoire. J'ai tué 122 infanteries, j'en ai perdu 71. J'ai tué 8 chars, j'en ai perdu 6. Alors lui, il s'est fait massacrer de son côté. Donc GG, Zipro. Merci d'avoir participé à cette bataille. Et mon unité la plus rentable était mon T-34-76 qui a fait 2 chars et 6 fantassins. 25 kills pour mon véhicule anti-infanterie. Je pense que c'était plutôt un succès. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur Men of War Assault Squad 2 et je vous dis à la prochaine. Ciao!